Tripoli. Avec ses 1 500 000 habitants, la capitale de la Libye est aussi la ville la plus peuplée du pays. Dans l'Antiquité, cet abri portuaire servait d'escale. D'abord phénicienne, elle devient, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le comptoir punique de Huyat, puis la ville romaine de Oea. À l'époque byzantine, Oea devient Tripoli, et son port est protégé par une forteresse. En 643, le conquérant Amr ibn al-Az l'assiège pendant près d'un mois, rase l'enceinte byzantine et fait construire l'une des premières mosquées de Tripolitaine. En s'islamisant et en s'arabisant, Tripoli prend très vite toutes les caractéristiques d'une ville arabo-musulmane. Un rempart pour la protéger, un centre à la fois religieux et commercial, avec des souks spécialisés qui entourent la grande mosquée. L'invasion italienne en 1911 va marquer la ville de son empire. À cette époque, Tripoli commence à déborder de ses habitants. La ville coloniale s'organise autour de grandes artères, disposées en éventail à partir de l'ancien marché au pain, devenu Piazza Italia, l'actuelle place verte, avec ses cafés typiques où se pressent toujours les Tripolitains. L'extension de la ville coloniale se fait le long des routes caravanières qui aboutissent, près du château, à deux souks extérieurs à la médina. Les Italiens structurent la nouvelle ville le long de ses voies. En moins de 30 ans, Tripoli passe de 30 000 à 100 000 habitants. La médina aérée et assainie est conservée. Une partie des murailles et quelques maisons sont abattues pour la mise en valeur du seul vestige antique, l'arc de Marc Aurèle. À l'est et au sud de la place s'étend la ville coloniale italienne, organisée autour d'un éventail de grandes artères bordées d'arcades et de petites places. Au nord-ouest, le château est l'entrée principale de la médina. La période italienne s'est terminée par les campagnes d'arrière-garde de Rommel contre l'invasion britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, l'ONU vote pour l'indépendance de la Libye. En 1951, le pro-britannique Sidi Idriss est choisi comme roi pour gouverner. En 1959, du pétrole est découvert. En 1969, un coup d'État militaire, conduit par le nationaliste Muammar Gaddafi, installe un régime socialiste. Les bases britanniques et américaines sont fermées. En 1973, l'industrie pétrolière est nationalisée. La place verte, au cœur de Tripoli, joue le rôle de carrefour entre le port, la médina et la ville moderne. Dans sa périphérie, le soir, des rues s'animent. L'ancien quartier italien revit à partir de 22 heures.
Beaucoup de Tripolitains et de travailleurs étrangers qui participent à la prospérité du pays se détendent devant un échiquier, un jeu de domino ou un mardi gras. L'ancienne ville de Tripoli est entourée de hautes murailles. Construite d'abord par les Espagnols, les chevaliers de Malte, après de durs combats, prirent la ville en 1510 et achevèrent les travaux. Les croisés se préoccupèrent d'adapter la citadelle aux nouvelles techniques de combat, comme la construction de forts. La médina couvre une superficie d'une quarantaine d'hectares, dont plus de la moitié est occupée actuellement par d'authentiques souks datant des Ottomans. Ce sont eux qui, au XVIIe siècle, ont donné à cet ancien quartier ses caractéristiques actuelles. Des marchés spécialisés en particulier où sont étroitement imbriquées activités commerciales et religieuses. La mosquée de Karamanli est la plus grande de la Médina.
constitué de trois cours, d'un enclos funéraire et d'une salle de prière, des colonnes de toute taille donnent à cet ensemble une grâce architecturale indiscutable. Elle s'inscrit dans un carré entouré de tous côtés par des souks. L'entrée principale s'ouvre sur la première cour, qui donne accès au minaret de type ottoman. Elle est en partie occupée par la tombe d'Ahmed Pacha Karamanli. La deuxième cour s'ouvre à la fois sur la salle de prière, sur l'école coranique à deux niveaux et sur la partie réservée aux ablutions. La troisième cour est la partie la plus ancienne de la mosquée. Elle a peut-être été construite sur les vestiges de la toute première mosquée de la ville et elle sert d'oratoire en plein air. Les murs extérieurs et intérieurs de la salle de prière disparaissent sous de grands panneaux de faïence polychrome. Les coupoles sur pendentif ainsi que les colonnes ajoutent la touche discrète de leur décoration stuquée. Dans la rue du Cuivre, les artisans fabriquent principalement les ornements de minaret, les longs tuyaux des pipaos et des casseroles. Cette rue date de plus de 200 ans. Les artisans libyens se font rares. Des étrangers les ont remplacés dans ces tâches, principalement des Tunisiens. Le souk couvre plusieurs autres activités artisanales, comme la fabrication des tissus, des montres et des bijoux. Il est complété par des petits souks disposés de part et d'autre, comme celui de la soie, des menuisiers et des forgerons. Les souks sont irremplaçables dans l'organisation de la société orientale. Preuve en a été faite avec la décision du pouvoir en place de les fermer dans les années 80 et de les remplacer par des supermarchés ne générant pas de profit. Profits qui étaient alors considérés comme amoraux. Résultat, le manque de produits se fit cruellement sentir et les marchés de la Médina refirent leur apparition dès 1987. Ils concurrencèrent les grandes surfaces nouvellement créées mais désertées par les clients insatisfaits. De toutes parts fleurissent des cafés et les commerçants peuvent commander des boissons qui leur sont immédiatement amenées à domicile. La vieille ville de Tripoli présente une disposition de rue qui obéit à une organisation de l'espace commune à la plupart des médinas. Des artères principales donnant sur les portes conduisant au souk. Ce sont des axes publics où tout homme a le droit de circuler. Le long de ces rues se localisent la plupart des édifices, dont les grandes mosquées. Des ruelles donnent sur ces parcours principaux. Étroites, à prédominance résidentielle, elles délimitent des îlots irréguliers et sont plutôt réservées aux habitants du quartier. Elles desservent des impasses qui, à leur tour, donnent accès à 4 ou 6 maisons, sortes de voies privées réservées aux occupants des logements riverains. Thank you.
L'apparition du métier à tisser mécanique a libéré l'homme de son rôle de force motrice, comme avec le métier à bras. Ce n'est apparemment pas encore le cas à Tripoli. Ici, les tisserands sont spécialisés dans le taffetas. Tissé à fil double, triple ou quadruple, le taffetas est le croisement le plus simple et le plus ancien, dans lequel les fils passent alternativement au-dessus et au-dessous des fils de trame. L'arc de Marc Aurèle est le seul vestige de l'antique Oea. Les Italiens l'ont restauré alors qu'il abritait un cinéma et un café. Les fouilles ont permis de déterminer le niveau de la ville romaine à 2 mètres de profondeur. Elles ont révélé l'existence d'une basilique et d'un petit temple dont les vestiges sont dispersés autour du site. L'arc est en marbre grec. Le musée se trouve dans l'enceinte même du château de Tripoli. Forteresse byzantine, puis musulmane, elle a été la résidence du pouvoir. Le fort a abrité tour à tour les représentants de dynasties arabes, les occupants chrétiens espagnols et les chevaliers de Malte, les pachas ottomans et même les gouverneurs italiens. L'aménagement intérieur est l'œuvre des Turcs. Les Ottomans en ont fait un immense palais aux allures d'un labyrinthe. Des voies arcades fonctionnant comme des rues côtoient des jardins, des salons d'apparat où se mêlent colonnes romaines, chapiteaux byzantins, stucs arabo-andalous, céramiques tunisiennes et ottomanes. Le musée en lui-même occupe près de 10 000 m² répartis sur 4 niveaux. Il abrite les merveilles de l'archéologie libyenne. Les gravures et peintures rupestres du Messac et de la Cacus sont très bien représentées dans 2 salles réservées à la préhistoire. On peut également y voir les outils qui ont servi à tailler ces chefs-d'œuvre. Toutes les civilisations antiques y sont représentées, qu'elles soient carthaginoises, phéniciennes, grecques ou romaines. Les bustes et les sculptures exposées viennent principalement des villes de Cyrène, Apollonia, mais aussi des grandes cités romaines de Leptis Magna et Sabrata. Sabrata. Date d'inscription, 1982 au registre de l'UNESCO. Justification d'inscription, rapport de la 6e session du Comité pour la conservation des patrimoines de l'humanité.
Sabrata était une escale phénicienne, un comptoir punique vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles menées par les archéologues ont permis de découvrir les traces des tout premiers aménagements phéniciens sous la ville romaine. Géographiquement moins favorisée que Tripoli, la cité punique jouissait néanmoins d'un petit port naturel assez bien abrité des vents d'ouest. Une stèle consacrée à la déesse Tanit a pu être exhumée. C'est la seule représentation punique encore visible sur le site. Dès son occupation romaine, en 46 avant Jésus-Christ, Sabrata commence à se transformer. Les 1er et 2e siècles marquent le grand essor de Sabrata. L'attention des empereurs Flavius et Antoine et de leur descendance favorise la modernisation de la ville, qui avait été en partie détruite lors d'un tremblement de terre en 65 après Jésus-Christ. Les fouilles de Sabrata ont mis au jour un nombre important d'habitations privées qui permettent d'appréhender la vie domestique de ses citoyens. Ces maisons étaient assez étroites, mais comportaient fréquemment 2 étages et un système permettant de recueillir l'eau de pluie depuis le toit jusqu'à des citernes souterraines. La ville se christianise rapidement. Elle est l'orgueil des chrétiens d'Orient lorsqu'elle devient un évêché en 253. Sabrata continue de prospérer durant les siècles suivants. En 365, les premiers troubles sérieux interviennent avec le fracassant tremblement de terre. Le saccage de la ville est parachevé par les tribus asturiennes. Grâce à ses marchands, Sabrata arrive à se relever partiellement de ses désastres. Mais la nouvelle foi chrétienne empêchant toute reconstruction des temples ou des édifices païens, seul l'habitat urbain est restauré. Au 5e siècle, l'invasion des Vandales mettra fin à l'existence économique de la ville. La cité ne s'éteindra définitivement qu'après l'occupation arabe et le transfert du commerce à Tripoli en 748. Mais au 9e siècle, les tribus berbères Nafusala la rasent complètement, et de cette cité jadis florissante, il ne reste plus que quelques chapiteaux affleurants. Des thermes de Sabrata, il ne reste pas grand-chose. Pourtant, on est frappé par la beauté des mosaïques qui surplombent la mer. Il comportait des salles avec baignoires et latrines, et déjà une palestra pourvue d'une piscine. Une étuve sèche, ou la conicum, ainsi qu'un destrictarium, pièce où l'on se débarrassait des huiles qui servaient à enduire le corps. Le théâtre, conçu sous l'empereur Commode, est dans un état de conservation absolument extraordinaire. Datant de l'époque sévérienne, il constitue le point d'orgue du nouveau quartier de la ville. Quand il fut découvert, seul était visible que quelques pierres venant des parties les plus hautes de l'édifice. Sa restauration est due à des archéologues italiens. Il fut inauguré en 1937 par Mussolini. Son mur de Seine est quasi complet. Ses 3 étages à excèdre et les 96 colonnes en marbre et en granit constituent le décor inamovible de toute représentation. Les statues des divinités,
qui interviennent traditionnellement dans la tragédie étaient disposées entre les colonnes. Les loges des acteurs et les coulisses se trouvaient derrière le fronton. Les gradins de l'auditorium sont divisés en trois zones par deux chemins ambulatoires et pouvaient recevoir environ 5000 spectateurs. Séparé de l'auditorium par un muret en marbre, l'orchestre présente quatre marches basses sur lesquelles des sièges étaient réservés aux invités de marque. Les trésors d'histoire et de civilisation qui fleurissent partout en Libye ont été trop longtemps ignorés par la communauté internationale. La Tripolitaine possède des trésors archéologiques de tout premier plan que le voyageur ne pourra s'empêcher de venir admirer avant ceux que lui réserve le désert libyen.